Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Meghan Markle qui a surpris son monde en apparaissant sur la couverture d'un magazine. Il s'agit de Variety. C'est un magazine qui parle du show business et de tout l'entertainment de Hollywood, aussi de New York. En fait, ça parle d'art et de tout ce qui se fait au niveau du showbiz et dans la société en fait. Et elle a surpris le monde parce que personne ne s'attendait à ça. Le monde était encore, enfin quand je dis le monde, je parle des tabloïds, je parle des médias anglais, des médias dans le monde entier, parce qu'ils récupèrent ce qui est dit dans les tabloïds en Angleterre. Cela est encore en train d'envoyer des messages négatifs sur la supposée reality show des Sussex avec Netflix. Donc ils étaient en train de pourrir l'atmosphère pour pourrir l'esprit des gens par rapport à Harry et Meghan. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que Meghan Markle est apparue sur ce magazine-là. Les photos étaient superbes, comme je vous les montre ici. En tout cas, elle a surpris le monde. Meghan Markle a toujours une longueur d'avance. Elle a une longueur d'avance sur les gens. On parle d'elle, on parle de ce qu'elle va faire, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a pensé à faire, ce qu'elle n'a pas pensé à faire, ce qu'elle critiquait, ce dont elle se plaignait. Mais bam, elle vous sort cet article-là. Mais vraiment, tout le monde a été pris de court. Quand je dis que c'était une surprise, ça a laissé les gens estomaqué, bouche bée. Ce que Harry et Meghan ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à se libérer du regard des autres, se libérer des opinions des autres, et ils ne donnent même pas non plus d'informations, donc il n'y a plus de leaks. Ce que les tabloïds font, par exemple, c'est d'imaginer, deviner, penser, et même répandre des fake news et des faussetés sur le coup. En tout cas, bravo Meghan, c'est un tour de maître. Tout le monde est en train de parler de ça. Pourtant, il y a une guerre en Ukraine. Il y a l'économie qui est en train de se barrer en Angleterre et dans d'autres pays du monde entier. Et la seule nouvelle, c'est Meghan Markle qui est dans tous les médias. Voilà. Donc, et c'est soi-disant la personne qui ne comptait plus et qui n'était plus rien sans la famille royale. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.